Lorsque l'on veut pêcher la truite en première catégorie, c'est-à-dire la truite sauvage, il faut faire attention car on est assujetti à une réglementation, bien sûr. Alors, la première chose à savoir, c'est les dates d'ouverture et de fermeture, avec l'ouverture au mois de mars et la fermeture en septembre, courant du mois de septembre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans les rivières de première catégorie que vous allez pêcher, rivières ou ruisseaux, il faudra faire attention car certaines fois, il y a là aussi des réglementations très spécifiques. Certaines pêches ne sont pas autorisées, certains appâts ne sont pas autorisés, etc. etc. Alors avant tout acte de pêche, être sûr qu'on n'enfreint pas la loi et qu'on ne risque rien. On va à la pêche pour passer un bon moment et surtout pas pour y chercher des ennuis. Lorsque l'on a pris les renseignements nécessaires, eh bien on s'aperçoit que on pratique cette pêche sur des rivières appelées de première catégorie, à savoir riches en salmonidés, truite farieux en particulier. Et on a une grande chance parce que 99 fois sur 100, ces rivières sont dans des cadres tout simplement fantastiques. Reculer des grandes villes, bien sûr, au calme, avec de la végétation, des eaux claires, et j'en passe. Alors ça, c'est une chose dont il ne faut surtout pas se priver. La pêche que je pratique aux appâts vivants doit rechercher des eaux relativement vives. Il est certain que si on a devant soi un vivier ou un lac, on ne pourra pas pratiquer ma pêche. Donc, dans les rivières de première catégorie, très 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 souvent, on a ce style de parcours sur lequel je suis. C'est-à-dire toujours des eaux en mouvement. Et c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est les lieux que la truite préfère également. Maintenant, il est évident que, suivant les saisons, quand vous pêcherez avec des eaux très froides, ces grands courants-là, avec ces grandes écumes blanches, ce ne sera pas des coups à pêcher, mais à éviter. L'été, on aura le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement des eaux, les eaux vont baisser et se réchauffer, et on aura donc un poisson qui recherchera des eaux tumultueuses pour y trouver fraîcheur et en même temps, oxygénation. Mais ça fait partie purement et simplement de la technique de pêche. Savoir ce qu'il faut faire, mais pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. C'est une fario. C'est une fario. Elle est jolie. Le principe de cette pêche est, comme nous l'avons dit, de choisir des eaux vives car il n'y a pas de flotteur pour porter la ligne. La ligne va donc dériver toute seule. C'est l'eau qui va faire pêcher la ligne, qui va la faire dériver. Le pêcheur, lui, tiendra sa ligne à l'aide de la canne, mais n'aura pas d'influence sur elle. On doit confier l'acte de pêche au courant que l'on a choisi. C'est lui qui fera le mieux passer l'appât, et
C'est de cette manière qu'on aura le plus de facilité à tromper le poisson. Si vous, vous avez une influence sur le passage de votre ligne, que vous la reteniez, que vous la tiriez, etc., vous n'aurez plus un passage naturel et le poisson, normalement, ne sera pas tenté de prendre votre appât. On a donc une dérive naturelle à assurer et on retrouve bien sûr dans cette explication toute l'importance de la plombée. Il faudra bien sûr établir des plombées, construire des plombées en rapport de tout ça. En rapport du courant, en rapport de l'appât, en rapport de la profondeur d'eau, de la puissance d'eau. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique qui est surprenante de sensations et de plaisirs et qui est surtout à la portée de tous ceux qui le désirent et de tous ceux qui aiment la pêche, mais la belle pêche. Tout à fait en fond de dérive, justement. Expliquer la dérive, là, et bien tout à fait en fond, en arrivant au fond de la dérive, il y a une truite qui a... Je crois que c'est une truite, au coup de tête, hein. Il y a une truite qui a pris mon appât. Et là, il y a une roche noire dans laquelle elle essaie d'aller. Elle a raison d'ailleurs. Il faut bien qu'elle se défende. Toujours pareil. Je peux bouger, je peux descendre pour mieux me situer par rapport à elle. Donc, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas forcément rester statique et se laisser mener par le bout du nez. C'est nous qui devons, autant que possible, commander la manœuvre et pas le poisson. Quand c'est le poisson, 9 fois sur 10, on a la satisfaction de l'avoir piqué, mais ça s'arrête là. Là, je suis en 14 sur le moulinet et 10 centièmes, même en bas de ligne. Et on s'aperçoit que finalement, on peut quand même faire revenir à l'épuisette quelques jolis poissons. Hein. Elle est cueillie. Juste piqué au bord des lèvres, elle aussi. Hein. Voilà. Et il lui tarde de repartir. Comme appât, j'ai choisi la teigne. Il est certain que je vois quelques touches et je prends quelques poissons, donc je reste bien sûr à la teigne. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de ne pas partir à la pêche avec un seul appât. J'ai également des vers de berge. Si à un moment donné, je n'ai plus de touches à la teigne, je change mon hameçon, je revois un petit peu ma plombée, et j'ai ma roue de secours avec le ver de berge. Quelquefois, ça peut être l'inverse. On attaque au ver de berge et puis quand on n'a plus de touche, après on passe à la teigne. Et c'est bien d'avoir deux appâts avec soi. Ça ne gêne pas. Bien au contraire. Ah oui, ah, quelle touche magnifique là, c'est un régal. J'ai vu ma bannière du nylon fluo se tendre, c'est formidable là. La visualisation grâce au fluo que l'on a de tout ce qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire de tout ce qui se passe sur ma ligne finalement. La preuve, ma ligne est arrivée normalement, arrivée à un moment. Le nylon, la bannière s'est tendue, j'ai ferré, parce que c'était anormal que le se tende. Si rien ne s'était passé, il ne se serait pas tendu. Mais voilà, le résultat, il est là. Et ça, c'est pas la pêche au toc. Hein. J'attends pas le toc, je visualise la touche et je ferre immédiatement. On n'attend pas le toc.
Ça veut pas. Ah ouais, elle est chouette ça. Ah, c'est sympa ça, c'est joli. Ah ben, on va remettre gentiment dans l'eau. Si on les voit trop fatigués, il ne faut pas hésiter à les oxygéner un petit peu avant de les relâcher. Pour la pratique de cette technique de pêche, on se doit d'avoir certains produits incontournables, je dirais. En premier, des cuissardes ou des pantalons, en néoprène si possible. Il y a beaucoup plus de confort et puis il y a un petit peu plus de sécurité. Un petit gilet permettra de mettre tous vos rangements et tous vos accessoires nécessaires à la pratique de la pêche pendant toute la journée si vous ne revenez pas à votre véhicule. Dans les poches de votre gilet, n'oubliez pas les lunettes polarisantes. Certaines fois, en pêchant face au soleil, croyez-moi, elles vous seront d'un grand service. Vous mettez une bonne visière au-dessus et vous serez en mesure de pêcher très correctement. Au niveau du matériel pêche proprement dit, suivant les rivières petites ou très grandes que vous pêcherez, puisque ma pêche s'adaptera aussi bien à l'une qu'à l'autre, eh bien vous aurez plusieurs choix à effectuer. Pour une rivière de ce type-là, par exemple, qui fait 10, 11 mètres de large, eh bien, une canne avec des anneaux extérieurs, comme vous pouvez voir, style canne anglaise, composée de trois éléments et une de longueur de 3,60 m, conviendra parfaitement à couvrir toute la rivière. Cette canne, vous l'équiperez d'un moulinet à tambour tournant, qui sera, dans cette pratique-là, une réserve de nylon. Sur ce moulinet, eh bien, vous mettrez un nylon fluo, c'est sûr, parce que dans la technique, il est indispensable. Donc vous mettrez un nylon fluo qui sera de 12, 14 ou 16 centièmes, suivant bien sûr les conditions de pêche face auxquelles vous vous trouverez. Sur ce nylon fluo, vous positionnerez ce qu'on appelle un guide fil. Alors ça a plusieurs noms, guide fil, repère, rigoletto, etc., etc. Au bout du nylon fluo, vous utiliserez un micro-émerillon. Je dis bien un micro-émerillon. Ceci, pour la pêche en rivière, est indispensable. C'est tout simplement l'élément sur votre ligne qui permettra à votre bas de ligne de ne jamais briller. Et croyez-moi, c'est important. Si vous êtes au bord de l'eau pour défaire les nœuds au lieu de pêcher, vous n'apprécierez pas forcément bien la pêche. Et puis, rattaché à cet émerillon, la dernière partie de la ligne, on va trouver ce qu'on appelle le bas de ligne. Alors, le bas de ligne, il est composé de trois éléments. D'un nylon, bien sûr, qui sera toujours d'un diamètre proportionnel à celui que vous avez sur le moulinet. Rapidement, je dirais, si on a du 16 centièmes sur le moulinet, on ne mettra pas un 6 centièmes en bas de ligne, mais un 12 ou un 14. Dans le cas présent, j'ai un 14 centièmes sur le moulinet, et en bas de ligne, je peux utiliser 10, 11 ou 12 centièmes. Une longueur d'environ 35, 40 jusqu'à 50 centimètres. Le deuxième élément composant mon bas de ligne, eh bien, ce sera mes plombs. Vous voyez leur disposition. On resserre les espaces au fur et à mesure que l'on remonte sur la plombée. Les plombs petits sont sur le bas, les plombs moyens au milieu et les plus gros sur le haut. Et puis ensuite, l'hameçon. L'hameçon, une chose très importante. Toujours, toujours utiliser des hameçons nickelés. Pourquoi ? Parce que le brillant de l'hameçon ou du peu de l'hameçon qui va dépasser de l'appât sera un atout supplémentaire dans l'excitation du poisson. Ça, c'est très important. Et la deuxième des recommandations, choisissez bien la grosseur de votre hameçon.
vous avez déterminé votre appât en rapport de l'appât que vous avez choisi. Et de la façon dont vous allez mettre ce appât sur l'hameçon, eh bien, choisissez la grosseur de l'hameçon. Il faut que le soit parfaitement en rapport, en correspondance avec votre appât. Concernant la grosseur des hameçons, pour vous aider à la déterminer un petit peu, eh bien, disons que lorsque vous allez pêcher avec une seule teigne à enfiler, suivant la grosseur de la teigne, vous allez utiliser un 14, un 12, peut-être un 10 si vous avez des teignes énormes comme on en rencontre maintenant. Pour un ver de berge, eh bien, vous allez utiliser généralement, si les vers sont relativement petits, du 12, autrement un 10 ou un 8. Cela est bien sûr un court résumé de tous les choix qu'il y a à faire entre différents appâts et différents hameçons. Dans le cas où vous optez pour une rivière plus grande que celle-ci, c'est-à-dire d'une largeur supérieure, disons, à 11 ou 12 mètres, eh bien, je vous conseille de changer de longueur de canne, de passer tout simplement de la 360 que je vous ai présentée au même type de canne, toujours le même principe, hein, type anglaise, mais avec une longueur de 3,90. Pourquoi ? Parce que cela va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'envergure de pêche et, si besoin est, d'aller pêcher les bordures opposées. Alors, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez également changer le principe du moulinet et passer du tambour tournant à un tambour fixe comme celui-ci qui vous apportera le plus dans l'amplitude que la largeur de rivière va obligatoirement vous demander. Chaque fois que vous pêcherez une grande rivière, vous devrez d'avoir une plus grande amplitude de pêche, d'avoir des accès plus longs et précis. J'ai modifié ma plombée là pour pêcher ce courant qui rentre dans la rivière. Alors, bien sûr, il faut lancer la ligne où l'on veut. Et ça, c'est un geste qui est indispensable. Ah, j'ai une touche, une petite truite, bien vaillante d'ailleurs. Je disais donc que le lancer par rapport à l'endroit où l'on veut pêcher doit toujours être très précis. Même si on jette loin, il faut obligatoirement être précis. Ça, c'est la connaissance, le savoir de l'utilisation de la canne. Une canne doit être, elle peut avoir d'énormes qualités. Si elle n'est pas utilisée suivant ses qualités, ça ne sert à rien d'avoir une canne qui en a beaucoup. Pensez que si la canne travaille, le nylon ne travaille que très peu. Je vous conseille dans le choix de vos teignes de ne pas forcément choisir les plus grosses, surtout lorsque l'on pêche de la fario. Lorsque l'on s'amuse à pêcher sur de la truite lâchée en deuxième catégorie, arc-en-ciel ou autre, bon, là le choix est moins important. Mais sur la truite fario, je pense qu'il est préférable de choisir des tailles de teignes moyennes ou petites. Avec une teigne comme appât, voilà le style de plombée à utiliser quand on pêche en eau froide. Alors, je parle souvent d'eau froide, mais c'est sûr, hein, nous sommes en période d'ouverture, et puis des eaux froides, on va en avoir jusqu'à la fin de la fonte de neige. Alors, durant toute cette période, pensez en permanence que l'appât dans sa dérive doit passer relativement lentement et bien en fond d'eau. Il ne doit pas avoir trop de mouvement et trop d'amplitude sous l'eau, car le poisson étant bloqué au fond, ne se bougera pas pour essayer de l'attraper. On va donc aider notre appât à passer dans cette condition. Pour cela, on va faire une plombée relativement basse. C'est-à-dire que le plomb de base sera, comme vous le voyez, pas très loin de l'hameçon et les espaces après entre chacun des autres plombs sera en rapport.
ce n'est pas forcément une plombée lourde, c'est une plombée basse. On voit ici que cette plombée donne la courbe de vie à la ligne très peu au-dessus de l'appât. Donc c'est ce que l'on veut, et là on voit que l'appât aura très peu de liberté de mouvement. Comparativement à la plombée dont je vous parle, voilà ce que pourrait donner une plombée plus étalée. Alors, si je remonte tous mes plombs, je vais avec les mêmes plombs sans en enlever, construire une plombée totalement différente, avec des espaces, bien sûr, comme on peut le constater, bien plus importants. On voit le premier plomb déjà, il est deux fois plus loin que tout à l'heure de l'appât, et on voit la courbure de la ligne. Et on a là, bien sûr, une ligne beaucoup plus souple, avec un appât qui va bouger beaucoup, beaucoup plus sous l'eau. Alors, réservons ce type de plombée pour les périodes d'étiage, attendons la fin de la fonte de neige, attendons un réchauffement de la température des eaux, et on évoluera petit à petit vers des plombées de ce type-là, avec un appât qui passera de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus souple et beaucoup plus vivante sous l'eau. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc on reviendra à notre plombée de base. Toujours des proportions entre les espaces des plombs. On ne les met pas n'importe comment. Une fois positionné, on peut constater qu'il n'y a pas de cassure sur ma ligne. J'ai une souplesse de ligne avec la légèreté sur le bas, ce qui permettra à mon appât, bien sûr, de passer avant les plombs. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Hein. Il vaut mieux. Voilà. Après avoir pêché devant soi et le milieu de la veine d'eau, je vais aller prospecter la veine d'eau tout à fait de l'autre côté, en prenant pour repère le tronc d'arbre qui sort de l'eau. Alors là, bien sûr, on voit toute l'importance du lancer. Il y a déjà une 10 à 12 mètres. Il faut y envoyer la ligne d'abord, et dès que la ligne est dans l'eau, avoir une position de canne haute, c'est indispensable. Cette position permettra à ma ligne de dériver, de descendre naturellement avec le courant, sans avoir trop de dragage ou pas du tout de dragage. Arrivé en fin de coulée, hop, petite ferrée, et souvent en fin de coulée, on a un appât qui est très 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 attractif, parce qu'on a justement une ligne très souple, hein, et un appât qui présente très bien, qui est très vivant. Et il n'est pas rare, hein, là ça a été vraiment là, on a beaucoup de chance sur ce coup. C'est la démonstration la plus parfaite qu'on pouvait faire. Je disais, il n'est pas rare de prendre un poisson. Mais la belle dérive de fond de ligne est due à ma position de canne haute au départ. On s'aperçoit, la canne, toujours pareil, utilisation indispensable de la canne dans le lancer, indispensable dans la dérive, et bien sûr indispensable dans le combat avec le poisson. Savoir utiliser une canne dans ma pêche, c'est vraiment, vraiment un outil essentiel. Croyez-moi, hein, entrez dans cette pêche, pratiquez-la un peu, vous allez vous régaler. Il n'y a pas d'autre mot, vous régaler. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Encore une fois, c'est à la portée de tous ceux qui veulent. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de gens qui sont capables de faire ceci ou cela, non. Dans ma pêche, il y a les gens qui ont envie de la pratiquer. Mais si un jour vous avez envie, vous croyez, vous n'allez pas regretter. Vous allez prendre un plaisir formidable, formidable.